Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce live de Batman Arkham Asylum pour les énigmes de l'homme mystère. Donc, on en est où? Ici, il reste... Peux-tu vaincre un esprit aussi brillant que le mien? Oui, ferme ta gueule. Il reste deux trophées et trois esprits de d'Arkham. Alors ce serait dans les couloirs, c'est bizarre. Attends. Non. Bah saute pas trop du cul, alors. Bienvenue à la ville d'Arkham. Nous sommes là pour vous aider. Quand Amadeus Arkham a construit cette institution, rares étaient ceux qui imaginaient que... Ah bah c'est celui-là, tiens. Le grand centre d'évaluation, réhabilitation, qu'elle est aujourd'hui. Tout le monde connaît les soi-disant supercriminels qui y sont traités. Mais ce n'est pas tout. Nos ailes basse sécurité offrent aux individus normaux mais tourmentés un lieu sûr pour guérir. Des réductions sur nos tarifs et nos formules santé sont disponibles à l'accueil ou sur www.arkham.com/tarif. Nous acceptons toutes les missions. Oui. Ce serait là-haut. Ah ouais, bien sûr. Et un esprit d'Arkham, super. Mais sauf que moi j'aimerais bien passer, s'il te plaît. Je fis un tour de mon île. Je passais près de la prison et j'eus la nausée en pensant au monstre qu'elle renfermait. Je contemplais la baie de Gotham et aperçus des lumières, sûrement des bateaux amenant d'autres dégénérés dans ma ville. Je jurai alors de la protéger de ces ténèbres. Voilà, ensuite. Il n'y a rien d'autre ici. Juste que je fasse gaffe. Alors, il m'en reste 3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, les 3 qu'il y a sur le truc mûche. Je vais revenir en arrière. Une amélioration, bah tiens. Vu que j'en ai absolument rien à foutre, je vais dépenser pour une amélioration, on sait jamais. Batarang à choc sonique. Voilà. Alors je regarde comme ça avec la vision de détective parce que je suis pas sûr. Pour guérir, des réductions sur nos tarifs et nos formules santé sont disponibles à l'accueil ou sur www.arkham.com/tarif. Nous acceptons toutes les mutuelles. Vous trouverez sur notre site web toutes les informations sur notre institution et nos services. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Savez-vous que les psychiatres de notre pavillon enfant peuvent dresser un profil psychologique? Ouh, bah je l'ai carrément dépassé, bizarrement. Attends, je vais revenir en arrière. Et
Alors, par là. Bon, ouvre la porte, merci. Alors déjà, pour ici, ce serait par où? Attends, je vais quand même faire un truc parce que je suis sûr que je l'ai raté. Et si je vais par la droite, par là. Bienvenue à l'asile d'Arkham. Nous sommes là pour vous aider. Quand Amadeus Arkham a construit cette institution, rares étaient ceux qui imaginaient et qu'elle deviendrait le grand centre d'évaluation et de réhabilitation qu'elle est aujourd'hui. Tout le monde connaît les superfluidaires qui sont traités. Il me semble que c'était pas par là. Bienvenue sur le live, les personnes qui arrivent. Bon, non, c'était pas par là. Des réductions sur nos tarifs et nos formules santé sont disponibles à l'accueil. arkham.com/tarif. Nous acceptons toutes les mutuelles. Vous trouverez sur notre. Et si je repasse par là, est-ce que ça fait quelque chose? Savez-vous que le psychiatre de votre pavillon enfant peut dresser un profil psychologique détaillé de vos enfants? Alors, il faudrait que je repasse par la porte, en fait. Il faudrait que je revienne en arrière. Je veux souvent voir la carte, hein, parce que ces énigmes, c'est de la merde. Et je regarderai la solution si vraiment je suis dans la mouise. Oh, il y a un truc là. Non, c'est pas ça. Alors, le truc qui traîne par là. Alors, je suis d'accord, le boum boum, je peux l'utiliser là, mais ça ne sert à rien. Ah! Là, bienvenue sur le live aux personnes qui arrivent. Ah bah voilà. Ça c'est fait, maintenant je sais qu'il me reste deux esprits d'Arkham. Voilà, donc il me reste deux esprits d'Arkham, il va falloir que je les cherche sur la Solus, parce que là je peux pas... Alors. Sérieux, alors. Ah oui, oui, oui. Alors, si c'est par là... C'est sérieux, c'est là? Alors... non, c'est là. Je me suis trompé. Alors...
T'es sérieux, c'est par là? Attends, je fais escape. Alors. Ah oh, putain, ouais, d'accord, il était bien caché, hein. Je discutais avec le dernier groupe de jeunes médecins. Ils me présentèrent des théories ennuyeuses qui prouvaient qu'ils ignoraient comment soigner ces animaux. Une seule partageait mes idées. Je lui proposais de réaliser ses rêves. Elle accepta. Nous ferions une bonne équipe. Voilà, en fait, le truc, c'est que au milieu, vous avez des trucs avec des petits insectes sur les côtés, et c'est par là qu'il faut sortir, parce que c'est carrément au milieu du truc. Ce qui est pas très clair, en fait. Parce qu'en plus j'étais déjà passé par là. En fait ça se trouve carrément dans le renfoncement là-dedans. Mais voilà, il faut passer par là où je suis passé ensuite. Alors. Ça c'était fait, ça c'était fait. Ça c'était fait. Ça c'était fait. Plaisante là. Tu plaisantes, sérieux, c'était dans le hall médical. Bon, d'accord. Alors la porte. Tain, et en plus il est en face de moi le truc. Saloperie. Alors. Pas sauter jusque là. La police de Gotham amena un nouveau patient sur l'île. On le disait responsable de la disparition de centaines de vagabonds de la ville. En contemplant son corps répugnant, fait d'écailles et de dents, je me mis à rêver de délicieuses punitions pour briser ce monstre. Les docteurs l'observèrent, l'examinèrent, mais moi seul savais comment le soigner une fois pour toutes. Ok, là il parle de Killer Croc. Donc on va sortir. Alors le centre médical, c'est terminé, c'est fait. Ça c'est terminé. Alors. Oh mais c'est une blague, putain, j'arrive plus à revenir en arrière. Alors. Les défis de l'homme mystère, on va appuyer dessus puisqu'il veut me faire chier. Alors. Voilà, on va aller dans... Alors ça, le centre médical, c'est fait. Le pénitencier. Est-ce que j'ai fait le pénitencier?
That is a good question. Est-ce que j'ai fait le plein? Je m'en rappelle même plus, donc bon. Alors, pénitencier, bon, on va rentrer dedans, puis on va le faire. Tu vas m'enlever les pop-ups, s'il te plaît, merci. Je suis sur l'ordi en même temps. Pénitencier. Ah, mais attends une seconde. Ah oui, mais ça, faut que je le fasse en dernier. Ça, il faut que je le fasse en dernier, le pénitencier, en fait. Pour une très bonne raison, c'est que... les trucs qui sont dedans, ça me concerne pas pour le moment. Donc, les défis de mystère, s'il te plaît. Et parce que dans le pénitencier, il y aura un truc à faire pour plus tard. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord... alors, centre médical, ça c'est fait. Je vais aller aux soins intensifs, mais je vais passer par l'Arkham Nord. Donc on va à Arkham Nord. C'est par là. Alors, cours. Oh, les boules bâtonnées comme ça. Putain, je peux pas le faire vers l'avant, sinon ça change de... tant pis. Parce que moi j'aime bien le costume. Même si franchement j'en changerai bien, sauf que c'est impossible. Oui, c'est vrai qu'il faut passer par là pour aller vers Arkham Nord. Évidemment, je saute comme un gabarit, moi. Ah oui. Ici, je crois qu'il restait quelques fous. Non, il en reste plus, je les ai démontés, d'accord. Alors, le truc de Tweedledum et Tweedledee, je vais pas trouvé tout de suite. En fait, ça se trouve à l'entrée. En fait, c'est le tape-cul qui se trouve là. Juste à l'entrée. Je suis impressionné. Ah voilà, ça c'est les sbires du Chapelier Fou. Histoire d'Iver et d'Humphrey Tweed, des cousins à la ressemblance troublante, partageaient des penchants criminels et une obsession pour Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Ils se sont associés et se sont identifiés aux personnages Tweedledum et Tweedledee, mettant sur pied des plans souvent atroces et absurdes pour piéger Batman. Véritable nom, Diver et Humphrey Tweed, profession criminelle professionnelle, emplacement de prédilection Gotham City, les yeux bruns, les cheveux bruns, taille 1m75, poids 79 kg, première apparition, Detective Comics 74, avril 43. Attribut obsédé par Alice au Pays des Merveilles, génie criminel talentueux, pourrait passer pour de parfaits jumeaux alors qu'ils ne sont que cousins. Voilà, et ici, putain, mais j'en ai plusieurs, je crois. Ok, ça c'est bon. Ah, un esprit d'Arkham, tiens donc. Ah, je l'ai déjà trouvé celui-là. Donc c'est quoi cette porte? Ah, mais oui, mais... oh putain, c'est vrai. Repère de croque, mais j'avais tout pris ici, il me semble. Alors attends. Réseau souterrain, d'accord. Il me reste encore des trucs à trouver là-dedans. Oh, ça fait chier. Bon, bah, j'irai là-dedans plus tard parce que si je retrouve croque, ça va être la mouise. Alors, ça,
Sercamnor. Donc, Orcamnor, je connais rien du tout. Je vais quand même voir avec la Solus. Putain, mais enlève-moi cette merde, s'il te plaît. Orcamnor, Orcamnor. S'il te plaît, ici. Alors, c'est plus pour les trophées qui. Putain, encore un pop-up, fait chier quoi. C'est plus pour les trophées de visualisation en fait qui me que dans que j'ai besoin. Ah ouais, je vois. Je vois, il est pute celui-là par contre. Ah, il faut rentrer par là. Voilà, c'est l'espèce de point d'interrogation juste en haut. C'est dégueulasse ce truc. Donc il y en a un par là. Faudrait que je regarde vers la droite en fait. Est-ce qu'il y en a un là? Ah, y a rien du tout là-dedans. Hein. Le truc. Alors les trucs à destruction, il n'y en a pas par là, il n'y en a pas par là. Non, là c'est bon, là c'est bon. Alors là c'était le toit, je l'avais fait là-bas au fond. C'est là où se trouvait la Batmobile, hein, donc ça c'est bon. Il y a un truc par là-bas ou pas? Non, il n'y en a pas. Alors, ensuite. Qu'est-ce qui reste à trouver en fait ici? Admettons-le, il y a deux dents sur le mur. Est-ce que ça signifierait qu'il y a trou et qu'il est là-dedans en fait? Ah oui, c'est ça. C'est juste trop petit, mais tu te fous de moi? Voilà, admettons-le, il y a deux dents sur le mur. Voilà, ça c'est fait. Ça, je me rappelais. Ensuite, il reste trois trophées à la con à trouver. Alors, la grotte du petit jardin. Il me semble que toi je t'avais déjà eu, ouais, je t'avais déjà eu. Ah bah voilà.
Ensuite, ça c'est fait. Trophée personnage déverrouillé. Ça, je vous les montrerai à la fin, hein, bien entendu. Ensuite, le truc à gauche du bâtiment en ruine. Ah, je le vois. Donc il me reste quoi? Il me reste deux, donc il me reste celui-là. Sbire infecté par le titan, trophée personnage, c'est super. Donc, il m'en reste encore un. Tu me fais pitié à essayer de venir à bout de mes défis. Normalement, il doit m'en rester un, alors. Il y en a un sur le toit. Alors, on va bien voir, alors. C'est trop haut. En fait, il faut que j'aille sur l'autre. Voilà. Donc là, il y en a pas. Peut-être que là, oui. Je sais pas. Je vais quand même aller vérifier. Hein, on sait jamais. Comme ça, ça vaut le coup de vérifier. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas un là. Ok, on vérifie par là. Ce qui me semble pas avoir vérifié par ici. Non, mais il y est pas. Alors, attends deux secondes, on me dit quelque chose sur le chat. Non. Non, non. Ah non, ça se rajoute sur le chat, en fait. D'accord, bah bienvenue sur le live. Alors, c'était pas celui-là. Toi, t'es sûr que c'était pas celui-là? Ça me fait bizarre, quand même. Alors, c'était... Peut-être sur le toit au-dessus, je sais pas. Ben, on va vérifier. Non. Alors. On peut faire vérifier toutes les options, on sait jamais, hein. Quitte à être redondant, puis à revérifier derrière encore une fois, je préfère être prudent, hein. Alors, ah bah non, mais il faut que j'aille un petit peu en dessous. Sinon ça m'a... Ah, mais quel con. Sur Batman Arkham City, on n'a pas ce problème. Il est un peu moins chiant. Alors. D'accord, alors ensuite. Il veut pas, pour là-haut. D'accord. Normalement, il est pas là. Bon, alors parce que je sais qu'il y a des reflets, donc normalement il devrait se trouver là, mais c'est pas celui-là. Alors, celui d'en dessous, je l'avais trouvé. Et juste pour par souci de vérification, putain, ne me dis pas que je peux pas.
Allez, vas-y, fous-toi de ma gueule. Tac, voilà. Comme ça. Alors, je sais qu'ici, il y en avait un, je l'avais trouvé. Ça, c'est bon. Alors, normalement, il y en avait un là. Mais il y est pas. Pion. Ah, bah, il est là-bas. Il est là-bas. Ah non, c'était un reflet. Merde. C'était un putain de reflet. Moi, je sais qu'il y en avait un ici aussi, que j'avais déjà pris. Alors, c'était la tour à l'est. Celle-ci. Elle est tout près, donc. Où c'est que tu vois un truc, toi? C'est bizarre. Là, je suis d'accord, il y a ça. Alors, attends. À l'est. Est-ce que ce serait pas plutôt par là? Oui, je le vois, il est au fond. Non, il est pas au fond? C'est quoi ce délire? Planqué par là, c'est bizarre. Il est pas là. Alors c'était pas celui-là, peut-être que j'avais déjà trouvé. Alors. Alors... Alors... Si je regarde en face, me dis pas que c'est là, me dis pas que c'est ça. Oh putain, il est là. Oh bah bon. Aucun doute trophée obtenu, athlète mental. Bon bah ici c'est fait. Maintenant on va aller vers bah oui, on va aller vers les jardins botaniques. Tiens. Par contre, ici c'est quoi? C'est les soins intensifs. Bah on va aussi faire les soins intensifs, tiens, on va pas se faire chier pendant trois plans, bah allez, faire le tour de l'île n'importe comment. Allez, go. Donc ça c'est fait,
suis content, hein, moi, comme ça, au moins, je peux compléter ça. Bah, oui, j'ai dans l'idée de faire tous les défis de l'homme mystère dans chaque Batman que je ferai. Batman Arkham City, j'avais fait. Batman Arkham Origins, pareil, sauf qu'il est sur PS3, pas sur PS4. Donc, tant pis, à moins qu'il fasse un remastered et je vous le ferai. Mais c'est pas de mal à veille. Alors, ici, c'est les soins intensifs. Hein. Alors, soins intensifs, je clique dessus au cas où. Voilà, ce qui est déjà... Oh putain, ça va être long. Bon, vous inquiétez pas, je connais une bonne partie du truc. Je sais que là, je l'avais fait. Alors, au début du jeu, quand je vous ai dit, c'est la planque de Harley Quinn, pas du tout. En fait, c'était la putain de planque de l'épouvantail. Donc ici, hall des soins intensifs, ça c'est bon. Ici, ah bah j'ai pas tout pris, tiens donc. Ça m'aurait étonné. Alors, ce qu'on va faire, c'est parce que c'est l'entrée en même temps, c'est là où on avait débuté le jeu. Si j'arrive à trouver l'entrée, hein. C'est de l'autre côté. Et c'est par là. Voilà. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ils sont tous assommés. Regardez, ils sont tous en vie, ils sont tous assommés, ils respirent. Alors je vais commencer par là. On va faire ça plus tard. Hein. On va descendre plus tard en bas. Alors normalement, si je dis pas de bêtises... Ah ben non, ça par là, je l'avais déjà fait il y a longtemps. C'est que je peux aller par là-haut. Ouais, voilà le spectacle du grand emmerdeur. Oh, je sais que c'est pas là non plus. Alors. Si, c'était par là. Pourquoi j'ai pas... J'ai raté. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le chat? Furikat, salut! Ouais, passez une bonne soirée, c'est tranquille, mais bordel! C'est bizarre, normalement il y a une porte ici. Je suis pas fou! Ah bah, je vais monter, puis on va bien voir. Oui, ferme-la 2 secondes, s'il te plaît. C'est étrange, mais pourtant... Hop là. Non, c'est pas ici. Et je l'avais trouvé la dernière fois, je suis pas cinglé. Bon, on va monter par là. Ah bah voilà. Dites-moi comment elles ont atterri dans mon bureau. Très simple, je les ai. Pourquoi ? Les gardes seraient sûrement intéressés d'apprendre que vous étiez hors de votre cellule. Si tu voulais vraiment le lentir, tu l'aurais déjà fait. Comment savez-vous que ce n'est pas déjà fait? Tu sais, chérie, je t'aime bien. Vraiment, même ton nom. Retravailler
Alors, ça c'est fait, et les trucs que je voulais voir, c'est pas là-dedans. Bizarre. Peux-tu vaincre un esprit aussi brillant que le mien? Bah bien sûr que je peux. Faut juste que je comprenne comment t'as fait ta merde. Ah voilà, ici. Ah, ici. Ça, c'était pas. Alors, au début, j'ai dit que c'était la tanière de Harley Quinn. En fait, pas du tout. C'est la tanière de l'épouvantail. Voilà, donc ça, c'est fait. On va remonter. C'est quoi ça? Il a pas envie, on dirait. Bon, bah laisse tomber. Alors. Ah, tu veux pas? Carrément. Alors. Oh, ça va être chiant, ça va être chiant. Alors, fais-moi remonter, connard. Non, mais t'inquiète pas, les gens ont tendance à regarder les vidéos après, plus que les lives. Moi, ça me gêne pas. Au moins, j'ai pas le choix. En même temps, je peux filmer que comme ça, via la PS4 en live. Puis ensuite, bah, les gens ils regardent la vidéo mise en ligne après. Moi, ça me dérange pas. Alors. Ah ouais, mais attends. Vu que j'ai toutes les améliorations, normalement, je peux refaire. Voilà. Non, non, oui, voilà. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Normalement, il faut que je fasse gaffe en remontant, en fait. Parce que j'ai toutes les améliorations qu'il me faut. Et donc ici... Ouais, j'ai pas tout fait, hein. Et voilà, une bonne raison en fait, je devais repasser par ici. Alors. Ah ouais, mais pendant le live. Moi, je me suis jamais inquiété du nombre de viewers que j'avais durant les lives. Hein. S'il y en a plein, tant mieux. S'il y en a pas beaucoup, tant pis. Hein. C'était pourquoi ça? Je comprends pas. À quoi ça sert que j'ai fait péter le truc ici? Bof. Attends, il y avait pas un truc dans le coin là?
Ah. Non. Bon bah va te faire foutre. Alors. La bête était trop forte. Sa sauvagerie faillit me coûter la vie. Je passais ma frustration sur un patient isolé. Un schizophrène paranoïaque, d'après son dossier. Alors que je le battais à mort, ses plaintes en dirent long. Ses confessions furent lumineuses. Tout devint clair. Alors. Donc à côté, ça voudrait rien dire en fait. Bizarrement, ça veut rien dire en fait. Voilà, alors. Ah oui, comme ça. Je regarde un peu si je trouve pas des trucs. Alors par là. Normalement, je devrais l'avoir déjà fait celui-là. Oui. Oh mais c'est de l'autre. Je suis con, d'accord, j'ai compris. En fait, il y a deux endroits. En fait, il y a deux endroits. J'avais pas remarqué tout de suite en fait. La bande est complètement ici, mais c'est à gauche en fait qu'il faut aller. J'ai pas regardé. Oh, c'est malin. Donc. Ça c'est fait. Aucun défi n'est trop grand pour moi. Il est fou. Qui? Batman? Dark, père Noël. Bien sûr, Batman. Toujours Batman. Je l'ai vu dans ses yeux. Il est dans la sombre folie. Une malhonnête. Cachant son visage derrière un masque terrifiant. Pas de masque pour moi. Je n'ai rien à cacher. Ok, t'es complètement taré, mon gars. Bon, ça, on le savait déjà. Hein. C'est le Joker qui parle à Harley Quinn avant... Enfin, à Harley Quinzel avant qu'elle devienne Harley Quinn. Donc.
Tac, et Aaron Cash, il se trouve là. Alors, il n'y a rien d'autre autour, mais à part ça... Or ça, c'est une photo qu'on va scanner dans ce jeu, dans Batman Arkham City et dans Batman Arkham Knight. Voilà. Je cours dans le coin, super. Le hall des soins intensifs. Donc j'en suis au moins des défis. Ouh, j'avance bien. Alors, faudrait juste que je voie si je rate rien dans le coin. Alors, tac. Voilà, puis moi il faudra aussi que je vérifie combien il m'en reste. J'en suis à 175 sur 240, mais ça avance bien. Alors, on me dit quelque chose sur le chat. Il se termine bientôt le live. Alors je compte live jusqu'à 3 heures. Donc t'as le temps. Si t'as envie de rester, bien entendu. Y a rien dans le coin. Revenir en arrière. Je suis où là? Ok, faudra que je revienne aux soins intensifs, moi. Bah, je vais y revenir par là. Ah, il faudrait que je revienne par là. C'est vert, c'est ouvert. À 2 heures, tu veux dormir, pas de problème. Ouais, mais en même temps, c'est tout dans les canalisations, son bordel, donc j'ai pas trop le choix. Donc. Dans Arkham City, c'est pire. Alors, le plus dur, c'était pour moi, c'était dans Arkham Origins. C'était vraiment très chiant parce qu'il y a des trucs qui étaient vraiment super durs. Ah, ben encore. Reviens. Donc ouais, c'est forcément par là. Purée, mais non. Alors. Parfois c'est un peu sensible la direction, c'est pas bien grave. Oula, ouais, chargement, vas-y, charge. J'essaie vraiment de revenir en arrière, ce qui est un peu particulier. Alors, hop, hop.
faut pas par là, d'accord. L'île d'Arkham Est, il faudrait peut-être que j'arrive à repasser par là en fait. Alors, les transferts sécurisés, si j'arrive à redescendre comme il faut. Ah bah voilà. Bah voilà. C'est là où je voulais revenir en fait. On va essayer de revenir. Putain, c'est un sacré bordel cet hôpital aussi, faut dire. Hein. Pour essayer de revenir en arrière, bonjour. Oh mais ta gueule. C'est pas par là que je voulais aller. En faisant gaffe à trouver où on doit aller en fait. Alors. Voilà. Le pingouin. Ça c'est fait. Alors ici, j'avais pu passer. Ah mais je pouvais pas passer par là en effet, parce qu'il y avait ça. Ouais ouais, bah, le temps, il joue aussi là-dessus. On est en hiver, du coup les gens ont tendance à être plus fatigués. T'es pas obligé de rester, tu sais. Donc ici, il avait laissé quoi? Oula. Ah oui, là-haut. Trophée de l'homme mystère trouvé, ça c'est bon. Allons par là. Je sais absolument pas ce que je vais trouver là. Oula. J'ai
J'avais peut-être trouvé un trophée là-dedans. Mais je m'en rappelais plus. Alors. Continuons. Ah oui, mais là on est en train de revenir en arrière carrément. Bah oui, évidemment. Là, y a quoi? Maxi Zeus. Tiens, c'est nouveau là. Ouais, je suis prêt, mais attends 2 secondes que je trouve des trucs. Ah oui, Maxi Zeus, je sais qui c'est. C'est un personnage de la saga DC qui se prenait pour le dieu Zeus, justement. Ah ouais. Mais c'est très intéressant parce que les trophées de l'homme mystère, puis tout le bordel qui va avec, ça te donne plein de bonus. Puis à la fin, je montrerai justement quel bonus. Alors, Maxi Zeus. Ah bah tiens. Oh! Oh, ah oui, c'est là. Alors, attends. Là. Alors, Maxi Zeus, voilà, ça c'est lui, justement, dans une version exagérée, mais dans le Batman des années 80, le dessin animé, il était un peu comme ça aussi. Histoire, chef de gang dérangé, Maxi Zeus est persuadé qu'il est l'incarnation de Zeus, dieu de l'Olympe. Avec un gang sous ses ordres, Zeus devint un personnage important de la pègre de Gotham City. Ses activités criminelles perpétrées par son armée de criminels sont d'après lui inspirées par les dieux grecs eux-mêmes. Véritable nom, Maxi Zeus, profession, criminel professionnel, emplacement de prédilection, Gotham City, les yeux bruns, cheveux bruns, taille 1m68, poids 61 kg. Vu la carrure que je vois là, j'ai pas l'impression qu'il fasse 61 kg le mec. Première apparition, Detective Comics 483, mai 1979. Attribut, poussé par des illusions religieuses complexes, leader charismatique ayant développé un culte de sa personne, déterminé à augmenter son importance et à convertir de nouveaux adeptes. Bon bah ça c'est fait. Attends. Ça c'était le truc tout en haut. Mais t'inquiète pas, moi je suis toujours là. Alors. Mais comme je t'ai dit, t'es pas obligé de tout le temps être sur les lives, hein, parce que sinon t'as plus de vie après.
Ah oui, je vois. Ici, est-ce qu'il y a des trucs? Me semblait pas, hein. Mais ici, on va trouver la tanière de l'homme mystère. Non, c'est une blague. Tu te fous de ma gueule, là? Non? Ok. C'était pas ça. Ah bah il est là. Bah quel con. Faut vraiment être con pour pas comprendre que c'est chez toi là, hein. Voilà, donc ici, est-ce qu'il y avait des trucs qui traînaient? Parce que je pouvais pas revenir en arrière la dernière fois. Ou si, je me rappelle plus en fait. Boucle de transfert, donc. Nous voyons ça. J'ai fait tout ça, moi. D'accord. Alors. Oh, y a pas de problème. Écoute, tu. T'es pas obligé de faire long non plus, hein. Moi, c'est vrai que je le fais, c'est uniquement parce que je m'amuse à faire les lives et tout ça. Bon, là, y a rien. Voilà, normalement, on devrait rien avoir. Alors, juste ici. Alors ici, je sais pas si j'étais revenu. Ah bah tiens. Ah bah toi t'es mort en attendant, d'accord. Il n'y a rien ici pour moi, c'est sûr. D'accord, donc il me reste quoi? Donc je vais regarder soins intensifs parce que là je sais qu'il me reste une tête, enfin un esprit d'Arkham. Mais il y a un truc quand même que je vais faire. Il me semble avoir vu quelque chose. Vu quelque chose, c'est beaucoup dire, hein, moi je fais que me balader en même temps. Puis je trouve, je trouve. Si je trouve pas, j'aurais pas l'air con, mais c'est pas grave.
Ouais, t'es déjà passé par là, d'accord. Alors, cherchons. Non, cela j'ai déjà passé, d'accord. Il y a une salle, il faut que je revienne en fait. C'est la salle du début. Ouais, ciao, alors bonne soirée. Et puis à la prochaine. Donc décontamination, ça d'accord, on était passé par là. Ensuite, puisqu'il n'y a rien ici. Ah, parce qu'il n'y a vraiment rien ici. Hein. À part ces trucs-là. Repasser là. Voilà, il fallait que je repasse par ici. Ouais, je l'avais trouvé là en fait. D'accord. Ensuite. Donc ça, c'est fait. Ici, par la suite, alors. Ça, c'est fait. Oh putain. La salle de décontamination, je suis obligé d'y retourner, bien entendu. Parce qu'il y a un trophée qui est caché, mais vraiment bien caché. Donc il la marque le truc. Non, il la marque même pas, donc. C'est nouveau par là. Heureusement qu'on reconnaît les couloirs. Là, il y a quelque chose. Ah oui, c'était là. Donc. Faut que je cherche par terre parce qu'il y en a un qui... Ah bah voilà. Ça, c'est fait. Donc, il me reste... un truc à chercher. C'est bon. C'est bon.
Bon. Ce que je vais faire, moi, je vais m'arrêter là, parce que ça fait quand même ouf, 1h16 de vidéo. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter là, pouce bleu si ça vous a plu jusque là. Et abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait. Et je vais reprendre d'ici 2-3 minutes une nouvelle vidéo. Je vous retrouve d'ici 2-3 minutes. Allez, au revoir, bisous, bisous.